Nous sommes de retour. Bienvenue à tous. C'est la dernière séance, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute la conférence. Un rappel de l'information sur comment soumettre les questions et avoir le sous-titrage se trouve dans le chat. Notre premier conférencier maintenant sera David Osso, qui a plus de 20 ans d'expérience dans divers rôles au sein de la Disability Foundation et de ses 6 organisations caritatives affiliées, y compris le développement de Trail Rider, un appareil d'assistance unique pour la randonnée adaptée. Il a contribué à faire du Trail Rider une entreprise sociale de la BC Mobility Opportunity Society et le faire connaître aux organisations du monde entier. Bienvenue. Merci et merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je suis David Ostro, un homme blanc, donc j'ai près de 60 ans et je suis presque chaud. Je vous parle aujourd'hui depuis le territoire Musqueam, Squamish et Sabretooth et je fais partie de la BC Mobility Opportunity Society qu'on appelle BC MOS qui a été établie en 88 avec pour mission d'offrir aux personnes à mobilité réduite la possibilité d'être actives et de poursuivre leurs intérêts, principalement à l'extérieur, mais depuis la COVID, nous avons incorporé pas mal d'activités virtuelles dans nos programmes. Prochaine diapo. Nous avons maintenant plus de 30 ans d'expérience et nous offrons toute une gamme d'activités, y compris la randonnée adaptée, ce qui a été rendu possible et populaire grâce au Trail Rider, un dispositif de mobilité que nous avons créé et partagé par le biais de notre entreprise sociale avec des gens du monde entier. Ainsi, lorsque nous parlons de solutions novatrices pour améliorer l'accessibilité des parcs, le Trail Rider est un élément important qui aidera des gens à découvrir les nombreuses merveilles des parcs nationaux du Canada dans des groupes inclusifs et de manière sportive. Dans le cadre de nos programmes ici à Vancouver, nous explorons de nombreuses régions sauvages et de nombreux parcs. Et beaucoup de passionnés de plein air ont utilisé le Trail Rider pour des destinations partout dans le monde. Et je vais vous montrer ça un peu plus tard. Le BC MOS est affilié à 6 autres organisations caritatives qui ont tous été créés par Sam Sullivan. Vous pourriez vous rappeler Sam. Il était le maire de Vancouver pendant 3 ans. Et la photo que vous voyez ici, c'est quelques mois après son élection à titre de maire et sa première tâche officielle a été de voyager en Italie, d'accepter le drapeau olympique des Jeux de Turin de 2006. Il l'a ramené à Vancouver pour les Jeux d'hiver de 2010. Alors, son leadership visionnaire et ses idées novatrices ont convergé avant de devenir maire à plus des 4 organisations caritatives qu'il a créées. Il a décidé en 1995 de faire une vraie randonnée et a demandé un bénévole de la société TETRA, notre organisation qui recrute des ingénieurs et des inventeurs pour concevoir et personnaliser des appareils de mobilité pour les personnes en ayant besoin. Et voici un scan du croquis que Sam a fait sur une serviette de table lors de sa rencontre avec ce bénévole en 1995. Et vous verrez ce que ce bénévole a inventé. Voici le Trail Rider d'origine. Sam n'est pas une personne patiente. Et lorsque Paul lui a demandé « Quand veux-tu aller en randonnée? » Il a dit « Cette fin de semaine. » Alors, le bénévole Paul Chermak, qui était très inventif, a trouvé une chaise de jardin dans son garage, a trouvé une roue et des supports, et Sam a fait sa première randonnée. Et cela a mené au développement et aux améliorations apportées au TR au fil des ans, ce qui a donné naissance à l'équipement sophistiqué qu'il est devenu aujourd'hui. Nous avons travaillé là-dessus pendant des années. Nous avons remodelé l'appareil
Ce modèle ici, sur la diapo, c'est le modèle Black Diamond qu'on utilise depuis 2006. C'est un modèle ergonomique avec les repose-pieds, les accoudoirs, l'angle du dossier du siège réglable. Il se replie pour le transport et il est au cœur du programme de randonnée adaptative ici à Vancouver, mais aussi il a été vendu à des personnes et des organisations du monde entier. Il est conçu et fabriqué ici à Vancouver et nous en fabriquons donc plusieurs par année et ça a vraiment fait toute une différence. Grâce à ce merveilleux appareil, nous sommes en mesure d'offrir toute une gamme de moyens de profiter de la nature dans le cadre d'une expérience inclusive. À Vancouver, ici, les gens réservent des randonnées et partent avec le personnel et les bénévoles pour des randonnées de longueur variable dans la région du Grand Vancouver. Et aussi, il y a des groupes de randonneurs, que ce soit des organismes, des amis, qui donc voient le trail rider à notre parc et on les forme pour utiliser l'appareil. Et il y a plusieurs façons dont on a incorporé le Trail Rider dans nos programmes pour permettre aux gens de vivre donc la randonnée de la manière qui leur convient le mieux. Par exemple, des gens réservent des randonnées, partent seuls avec des amis, des membres de leur famille. Et ce sont des Sherpas qu'on appelle de manière affectueuse, les gens qui aident et qui poussent et qui poussent et qui tirent le Trail Rider. On offre évidemment une formation pour que ce soit utilisé de manière sécuritaire. Une autre activité très populaire consiste à inviter les gardes forestiers à participer à certaines randonnées et à offrir leurs connaissances sur les plantes, les animaux, les écosystèmes. Et comme la randonnée interprétative à laquelle j'ai participé dans ce parc, ça permet de vraiment établir des connexions profondes et gratifiantes avec la nature. Ce qui est bien à propos du Trail Rider, c'est qu'il y a une roue unique et disons que c'est accessible sur pratiquement tous les types de terrains. Sentiers étroits, il se faufile facilement sur les racines, les rochers, les pentes latérales. Même un pont suspendu, vous voyez ici sur la diapo, le pont suspendu de Lynn Canyon à North Vancouver, qui est une destination favorite. Évidemment, le travail d'équipe est extrêmement important ici. Dans les destinations très difficiles, c'est toujours possible si on a une équipe motivée et un groupe qui souhaite accomplir quelque chose d'intéressant ensemble. Ce qu'on voit ici, c'est un groupe qui a été au lac Garibaldi près de Whistler. Une randonnée aller-retour de 12 heures. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est une expérience de randonnée absolument gratifiante, une destination de choix. Prochaine diapo. De plus, le BC Moss a prêté des trail riders à des personnes pour qu'elles se rendent à des destinations passionnantes et remplies de défis. Ici, on voit sur la diapo, donc à partir de la gauche en haut, le parc national de Bryce Canyon au Utah, le Machu Picchu, le parc national de Yosemite en Californie, le Grand Canyon, et encore une fois, le parc provincial du lac Garibaldi. Ça, c'était un groupe qui a pris 3 jours donc pour faire une randonnée avec camping. Alors, toutes sortes d'aventures sont possibles. Prochaine diapo. Parmi les destinations les plus exotiques et les plus difficiles, citons le mont Kilimanjaro. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. À peu près 4 ou 5 personnes ont utilisé le Trail Rider pour arriver au haut du mont de plus de 19 000 pieds d'élévation. Alors, c'est vraiment une expédition
formidable, très difficile. On utilise parfois aussi des porteurs tanzaniens pour aider et les gens de la localité sont ceux qui connaissent le mieux les sentiers. Deux femmes de la Colombie-Britannique, toutes deux dans la soixantaine à l'époque, se sont rendues jusqu'au camp de base du Mont Everest et même un peu plus loin, à peu près 22 000 pieds d'altitude. Un ancien membre du conseil d'administration du BC Moss, Brad Jacobson et un groupe d'amis ont poursuivi le rêve de Brad de faire la randonnée du West Coast Trail. C'est évidemment dans le parc national canadien Pacific Rim. C'est vraiment un défi de taille. Il faut avoir un permis même pour y aller. Et il faut avoir des plans d'urgence, de secours, etc. Cette équipe a réussi. Ils ont même filmé la randonnée. Et c'est une bande-annonce de 10 minutes qui s'intitule Standing Spirit Project, disponible sur YouTube. Brad, hélas, nous a quittés l'an passé. Et certaines personnes de cette randonnée souhaitent donc faire de cette bande-annonce un documentaire complet. C'était le rêve de Brad. Voici certaines choses que Brad a pu vivre avec ses amis, donc dans une cascade, donc et avec ses amis. Il a aussi aimé les moments de réflexion et de contemplation dans la nature. On le voit ici, qui contemple l'océan Pacifique. Vous pouvez voir où vous pouvez aller. Ça, c'est limité uniquement par votre imagination. Certains des endroits ont mis donc des affiches pour avoir un peu, faire un peu d'humour. Quelqu'un ici a pris l'initiative la présence de trail riders à Jasper et ça nous a bien fait rigoler. Et en ce moment, les trail riders sont utilisés à grande échelle en Colombie-Britannique et principalement en raison des partenariats avec des organismes sans but lucratif qui donc permettent l'accès dans ces communautés, y compris des programmes sans but lucratif au Canada et aux États-Unis, ont acheté les trail riders. Et on offre donc cela à des organismes qui offrent des services et des activités de plein air, comme les refuges phoniques, les éco-tours, etc., pour rendre la chose plus inclusive, afin que tous puissent participer. De nombreuses municipalités, centres de loisirs, services de parc sont également devenus des clients et où les randonnées donc sont primées. Et nous avons une liste sur notre site web, en fait, de certains des endroits où le trail rider est disponible. Et comme Alison l'a mentionné, par notre entreprise sociale, nous avons partager le Trail Rider avec à peu près 200 organisations et organismes. Une des entreprises les plus réussies avec le Trail Rider, c'était en Australie où un type qui s'appelle David Stratton, qui a vécu à Vancouver pendant plusieurs années, lorsqu'il est rentré chez lui en Australie, a pris son expérience avec le Trail Rider et s'est dit, il faut absolument y avoir accès ici en Australie. Et John Kenwright, qui était le coordonnateur de l'accès de l'inclusion de Parks Victoria, a travaillé avec lui pour incorporer un programme d'acquisition du Trail Rider avec un vaste programme de bénévoles et de Sherpas pour aider les personnes qui n'ont pas d'amis ou de famille capables de manœuvrer le Trail Rider pour eux. Parks Victoria va en trouver, un peu comme nous faisons avec notre programme ici. Donc, il y a des partenariats avec les gouvernements locaux et les organismes sans but lucratif pour gérer les TR, pour les maintenir. Il y a aussi une création d'un système de classification des sentiers
précisément pour les trail riders. S'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'altitude, on dit que c'est un parc à 4 Sherpas. Si c'est un terrain facile, peut-être à 2 Sherpas. Donc, pour le moment, il y a environ 30 trail riders dans le système des parcs en Australie. Et parmi les nombreux avantages que les gens retirent de la randonnée adaptée, on peut dire que les gens se rassemblent d'abord, des groupes d'amis, des groupes qui ne se connaissaient peut-être pas avant, mais qui établissent des liens. Et on partage donc l'amour du plein air. On vit de nouvelles aventures, comme vous voyez ici. Des voyages de camping et aussi sur la Sunshine Coast en Colombie-Britannique. Puis, donc, on se connecte à la nature. Voilà une expérience qu'on n'a pas souvent de voir ces boucs à cornes. Et j'ai déjà eu une interaction avec un de ces boucs et ça n'était pas facile. Mais les gens font de nouveaux amis. Ils peuvent vraiment jouir de la vie ensemble. Les familles peuvent être actives ensemble et participer à des excursions avec toute la famille. Les enfants, particulièrement, c'est tellement précieux pour eux lorsqu'on peut leur faire voir la nature et les faire participer à des randonnées. Ils répondent très bien à la nature. Ils développent donc un amour du plein air qui durera toute leur vie par la suite. Alors, nous avons des journées pour les enfants, donc des randonnées précisément adaptées aux enfants. Ça fait partie de notre programme. Puis, évidemment, les amis passent des moments privilégiés ensemble à vivre donc cette connexion. Et en fait, finalement, tout le monde s'amuse, les amis à quatre pattes et les amis à deux pattes, voilà. Et même Rick Mercer, qui a participé à une de ses randonnées. Il est venu à Vancouver pour faire un spécial sur Sam et son dispositif il y a quelques années. Il n'était pas évidemment prêt pour ça. Il avait ses souliers italiens. On s'est bien amusé lors de cet épisode. Et le message dont on fait la promotion pendant plus de 30 ans maintenant, c'est l'accès à la nature pour tous. La randonnée adaptative, c'est une expérience si gratifiante, si merveilleuse, que ce soit une courte et douce randonnée d'une heure, deux heures dans un parc de la région ou une excursion plus difficile de plusieurs jours avec tout un groupe. Les gens qui utilisent le Trail Rider peuvent vraiment rendre accessibles des endroits magnifiques et naturels. Et cette camaraderie, cette inclusion que les gens vivent sont des expériences, des sentiments qui ne disparaissent jamais et ça donne envie de revivre cela à maintes reprises par la suite. Prochaine diapo. Et voilà qui conclut ma présentation aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, à l'écoute. Merci David. Je suis ravie que le Trail Rider est adopté de plus en plus dans les parcs nationaux. On n'a pas le temps de répondre aux questions, mais plusieurs questions ont été saisies. On va les mettre sur notre canal Slack pour réponse plus tard. Merci beaucoup.